Ce jeune, ça aurait pu être moi ou n'importe quel jeune africain. Mais moi, j'ai eu la chance de faire des études et d'obtenir une bourse pour faire un master en journalisme international. Grâce à mon métier, je peux aujourd'hui raconter l'histoire de ces jeunes en quête d'une dignité perdue, d'un bonheur rêvé et d'un nouveau départ. Ces dernières années, l'actualité de mon pays me rattrape et me fait de la peine. Mon pays détient deux tristes records. En nombre de demandes d'asile, les Guinéens arrivent en deuxième position derrière les Afghans. Quant au nombre de mineurs migrants non accompagnés, les Guinéens représentent plus de 50% des arrivants en France. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces exilés, des personnes qui les accompagnent dans la reconquête d'une dignité perdue, mais aussi à Conakry, pour retrouver tous ceux qui sont repartis chez eux, ceux qui s'investissent pour leur réinsertion et tous ceux qui luttent contre l'immigration clandestine. J'étais emprisonné, j'étais torturé, mais j'ai pas pleuré. Jamais. Mais c'est en France que j'ai pleuré plusieurs fois.